là, nous sommes au cœur du massif détruit. On a plus d'une centaine d'hectares où toute la forêt a été détruite sur cette surface-là, qui correspond à un vallon au cœur de la forêt domaniale de Clairvaux. Donc on voit que tous les arbres ont été touchés dans cette zone-ci, que ce soit brisés comme celui que l'on voit derrière nous. Donc de tels arbres brisés deviennent impropres à la transformation en bois d'œuvre. D'autres sont déracinés. Donc là, on peut encore récupérer du bois d'œuvre sous réserve de les exploiter sans trop tarder malgré tout. Heureusement. En haut du vallon, là, qui est vraiment très chaud. Les vents ont été très violents pour briser à ce point les arbres. On voit certains arbres, notamment les chênes, qui sont complètement décapités. Toutes leurs branches sont cassées et tout est tombé pêle-mêle. On a des arbres renversés dans tous les sens. Des houppiers qui ont parfois été projetés à plusieurs, à 10, 15 mètres, voire 20 mètres des arbres. Donc ici, sur ce volet de sapin pectiné, on voit que les fibres du bois ont été arrachées et cassées sur plusieurs mètres de longueur, ce qui rend ce bois impropre à tout usage noble, certainement pas en charpente. Et du coup, un bois d'œuvre a été transformé en bois de trituration ou bois d'industrie par le fait de la tempête. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus impressionnant au fil des jours, au fur et à mesure que tout ce qui est cassé, ça dessèche. Ça fait moins de vent que dans le verre tourne, quoi.